Cette histoire commence par le silence, l'absence de sens, de conscience de soi et le son d'un cœur qui résonne. Lentement, des sensations reviennent, très lentement. D'abord, la chaleur. Intense, étouffante. Après, petit à petit, assez loin, la pluie, une averse quelque part. Peut-être même un orage au loin. Une sensation de douleur dans le corps, un peu partout. Et puis, dans ce noir vaporeux dans lequel vous êtes, émerge un visage, ce visage. Vous le voyez? Il vous regarde. Il se penche vers vous, il ouvre la bouche, il parle. Vous entendez des mots, mais vous n'arrivez pas vraiment à mettre un sens sur ces mots. Il a l'air d'écouter vos réponses, même si vous n'avez pas l'impression d'en prononcer. Puis petit à petit, il redisparaît, vous êtes à nouveau dans le noir. À un autre moment, un peu plus tard, c'est une femme qui apparaît, une infirmière, visiblement. Elle a une blouse d'infirmière. Elle vous sourit, elle vous parle, toujours impossible de comprendre vraiment ce qu'elle est en train de dire. Mais vous prenez conscience que vous vous trouvez forcément dans un hôpital. Il y a une infirmière, après il y a petit à petit d'autres infirmières qui apparaissent. Elles sont toujours souriantes autour de vous, elles s'occupent de vous visiblement. Et puis, à un moment, vous avez l'impression d'ouvrir un œil et de voir en face de vous d'autres gens installés eux aussi dans un lit, puisque vous avez conscience d'être allongé maintenant. Et le visage de l'homme apparaît à nouveau face à vous. Il se penche, et cette fois, vous entendez ces mots. Chacun d'entre vous à son tour. Et vous dit, vous êtes réveillé? Vous m'entendez? Vous pouvez parler. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Ne bougez pas, ne cherchez pas à vous redresser. Comment vous sentez-vous? Attends, je sais pas. C'est tellement étrange. On est où? Vous n'avez aucun souvenir, vous savez pas où vous vous trouvez? Non. Au moment où tu dis non, en fait, en cherchant bien, tu finis par te rappeler qui tu es. Et effectivement, vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital. Je vous laisse prendre connaissance des souvenirs qui remontent petit à petit, alors que cet homme, ce médecin, puisque maintenant il ne fait plus de doute dans votre esprit que c'est un médecin et que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, On est légèrement réveillé, hein, c'est ça. vous êtes Encore quoi? légèrement réveillé, vous êtes très endolori, comme si vous aviez subi quelques traumatismes physiques ou comme si vous étiez endormi dans ce lit depuis très longtemps. Lorsque vous redressez un petit peu pour pouvoir parler, en fait, vous sentez des douleurs au niveau de votre buste, rien de
d'énorme, hein, pas quelque chose qui vous coupe en deux, mais en tout cas vous sentez qu'il y a dû se passer quelque chose. Dirk, tu as fini de lire aussi? Oui. L'homme est vers toi, il te dit vous vous rappelez pas où vous êtes, donc. Je semble un peu surpris, puis d'un coup, je recule un petit peu brusquement. Non, ça commence à remonter. Mon nom est Votre nom, oui, votre nom par exemple. Dirk Kessler. C'est cela, monsieur Kessler. Vous êtes Dirk Kessler. Et vous vous rappelez de la date? C'est flou. Non, la date exacte. Nous sommes le 30 octobre 1930. Vous vous rappelez. Quel est votre dernier souvenir avant de vous retrouver dans cet hôpital? Sais pas, je menais certainement une enquête. Monsieur Kessler, vous savez que c'est la huitième fois que nous avons cette conversation. Est-ce que vous avez l'impression de progresser? Non, je Ici, regarde autour de moi un peu affolé, tu vois. autour de toi, tu vois trois autres personnes dont tu as l'impression de connaître les noms. Particulièrement la personne qui est à côté de toi, en fait, ici, là où je ping. Tu sais que cette personne s'appelle Guy Randall. Tu sais que tu as travaillé avec lui ou que tu travailles avec lui. Mais les deux personnes qui sont sur les lits en face de toi, tu es aussi persuadé de les connaître. Mais le nom, t'es pas encore totalement revenu, mais tu te dis, c'est peut-être Sterling, quelque chose comme ça. Randall Sterling, Non, c'est vous? Dirk, Oui, qu'est-ce qu'on oui. fait là? Je sais pas. Docteur, excusez-moi, je sais pas trop où je... Écoutez, vous avez perdu la mémoire, comme vous vous en rendez compte. Visiblement des 8 derniers jours. Vous êtes dans cet hôpital. Vous êtes arrivé dans cet hôpital le 28 octobre, c'est-à-dire il y a 2 jours. On vous a amené ici. Vous êtes à l'hôpital militaire d'Elmwood. Vous êtes à Port-au-Prince, en Haïti. Vous vous rappelez d'être en Haïti? Non, je me souviens bien de Randall. Un bon ami, un bon compagnon pour résoudre certaines affaires. Bon, je me souviens que je fais bien mon boulot et que Randall aussi. Je me souviens du nom de monsieur là-bas. Enfin, je crois. Monsieur Sterling, c'est ça? J'émerge un peu. Docteur, c'est ici. Il faut que vous veniez me voir. J'ai très mal à la tête. Docteur, c'est moi. C'est ici. Oui, je suis là. Oui. J'ai mal à la tête. Il faut me donner quelque chose. J'ai très mal à la tête. Donna, où est Jack? Où est Jack? Je sais pas du tout, Jack. Je sais même pas ce que je fais là. Je comprends rien. Écoutez, je pense que le réveil est à chaque fois difficile, mais vous faites de gros progrès. D'habitude, vous avez ces blackouts qui reviennent immédiatement lorsque nous échangeons. Vous savez, ces blackouts, vous rendez absolument pas compte. Je vous ai posé cette question. Est-ce que vous savez depuis combien de fois on a parlé tous les deux? À moi, bah, c'est la première fois qu'on se parle, docteur. Il a dit 8 fois. Il a dit 8 fois, peut-être, Non, mais non, vous, non, je non, vous non, parle pas déjà. Monsieur Kessler, Donc, c'est la 10e fois que nous parlons. Je me souviens de rien. Je regarde Mais comme si docteur, faut que j'attendais vous sortiez de quelque là chose. et je veux pas être dans la chambre avec eux, ma fille et moi. Et Jack, où est Jack? Où est Jack? Attendez, je vais aller chercher de quoi Mais faire où en est sorte Jack? que cette douleur à la tête se termine. Je vais aller chercher une infirmière, j'arrive tout de suite. Et vous le voyez partir dans cette travée d'hôpital.
et disparaître dans le couloir. C'est à vous. Guy, ça va se reproduire. Je sais pas quoi, mais ça va revenir. J'ai aussi une désagréable sensation, mais... Mais qu'est-ce qu'on... sur quelle enquête on était? Je me souviens plus. J'arrive pas à me souvenir, même qu'on... J'apprends qu'on est en Haïti. Donna, c'est ça? On s'est déjà rencontrés? Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Je... Père, que fait-on ici? Pourquoi sommes-nous en Haïti? Je ne sais pas, Donna. Je ne sais pas. Viens m'aider à me lever. Et venez, tous les deux, venez m'aider à me lever, s'il vous plaît. Moi, je vais du coup essayer de m'asseoir déjà dans le lit. Ouais. Voir si j'arrive à tenir assise au bord du lit, tu sais, dans les jambes dehors. Tu t'assois sans aucun problème. La seule chose que tu aperçois, c'est que tu es avec, comme vous êtes tous avec une blouse d'hôpital, tu aperçois comme des griffures sur ton bras, en fait. Mais t'as pas de douleur qui t'empêche de t'asseoir. C'est juste, tu te dis que ces douleurs que tu ressentais quand tu t'es redressé, etc., ça pourrait venir de ces griffures que tu as. D'accord, bah du coup je regarde ce que c'est que ces griffures, j'essaye de me souvenir d'où j'ai pu, comment j'ai pu me faire ça, est-ce que ça ressemble à des griffures qu'aurait pu me faire un animal ou... Alors, en les examinant comme ça, tu vois que c'est pas assez profond pour être les griffures d'un animal, ça ressemble plus à comme si t'avais couru dans une forêt et que tu t'étais pris dans des branchages ou... C'est plus ce type de griffure là, quoi. D'accord. Okay. Si je la vois qui s'examine, je pense que je fais de même en fait. Je commence à regarder mes bras, mais je m'examine en fait. Je commence à... Exactement la même chose qu'elle, c'est-à-dire tu remarques toi aussi que t'es comme griffé à différents endroits du corps. Guy, tu vas bien toi? De mon côté, je me lève en jetant un coup d'œil à Kessler, si je peux me lever. Bien sûr, tu peux te lever. Tu peux d'ailleurs bouger si tu veux avec ton canon. Ben, je me lève en regardant Kessler pour voir si j'ai bien son approbation pour aller aider l'homme qui est en face sur l'île d'en face. Ben, je te fais signe que oui, sans aucun souci, mais vraisemblablement, tu vois que dans mon regard, je m'inquiète surtout pour toi, en fait. Et je me lève aussi pour te rejoindre. Donna, maintenant que tu t'es levé de ton lit et tes idées deviennent de plus en plus claires, tu te rappelles de qui sont ces deux hommes qui sont là avec toi. Tu te rappelles qu'ils sont embauchés par ton père. Tu sais plus exactement pourquoi, mais tu sais que vous vous connaissez tous les quatre. Qu'a priori, vous étiez ensemble dans tes souvenirs les plus récents. Ça y est, vos visages me parlent. Père, c'est vous qui les avez embauchés. Je ne sais plus pour quelle raison, mais je me souviens que ça fait quelques jours qu'on est tous les quatre. Et peut-être Donna, pour chercher Jack. Première chose, Donna, va t'habiller. Ce n'est pas correct que tu sois comme ça. Ces deux hommes, ces deux gentlemen vont m'aider à me lever. Aidez-moi. Oui, vous avez raison, monsieur Sterling, c'est ça. Je ne me trompe pas. C'est exact, appelez-moi Monsieur Sterling. Je repars m'asseoir du coup, pour cacher mes fesses. Oui, je rougis un petit peu et je me mets bien de dos, réalisant en fait qu'une dame est parmi nous, je n'ai même pas fait attention. Vous êtes mes employés, c'est ça, Donna, c'est ce que tu me dis, vous êtes mes employés? C'est ce qui me semble, oui. Ouais, mais ça me paraît évident. J'ai souvenir de votre nom, sans plus, je vous avoue. Sterling. Bon, il va... Ah, le docteur revient, mais... J'arrive à me lever. Oui, tu arrives à te lever sans problème. J'arrive à me lever, alors. Je vais me lever en voyant... Docteur, je n'arrive pas à trouver mes vêtements. Où sont-ils, s'il vous plaît? Oui, on va... Je vais demander à une infirmière de vous les amener, bien sûr. Alors, ça ne sera pas vos vêtements. Parce que lorsqu'on vous a amené à l'hôpital, vos vêtements étaient déchirés, couverts de sang. Et je vous avoue que on ne les a pas gardés. Par contre, je vais remettre des vêtements. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que le fait de vous lever, de bouger de cette manière, vous aide à récupérer un peu vos moyens?
Oui, docteur, mais pouvons-nous savoir quel, mis à part le fait que nous ayons, que nous souffrons vraisemblablement tous d'amnésie, qu'est-ce que ces griffures, qu'est-ce que... Je vois que nous sommes pleins de contusions, de... C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez été retrouvé dans les collines au-dessus de Port-au-Prince par des paysans. Et vu vous aviez l'air blessé, ils ont vu des vêtements déchirés et ils ont eu la bonne idée de venir vous déposer, voyant que vous étiez des Américains, n'est-ce pas, à l'hôpital militaire d'Elmwood. Puisque vous en rappelez peut-être pas, quand il vous dit ça, tout d'un coup, quand même, ça devient beaucoup plus clair. Je dirais que les trois quarts des informations que vous avez dans vos feuilles de personnage vous sont revenues à l'esprit. Qui est qui? Qu'est-ce que je fais là? Il n'y a qu'une seule zone qui n'est vraiment pas claire, c'est les jours. Enfin, entre les informations que vous avez et le fait de vous réveiller là, ça, aucun souvenir. Oui, donc ils vous ont amené ici parce que vous savez que Haïti, depuis quelques années, est sous l'occupation, enfin l'occupation, chacun le voit comme il veut, mais disons que les États-Unis d'Amérique gèrent les intérêts hein, de la nation haïtienne. Des Américains laissés comme ça dans les bois, ce n'était pas vraiment possible. Et ils ont eu la bonne idée de vous amener à l'hôpital militaire où j'ai pu vous traiter. Mais c'est très très rassurant, vous savez, on ne sommes jamais allés aussi loin depuis 2 jours. J'ai l'impression que c'est totalement possible maintenant pour vous que la mémoire revienne progressivement. Vous êtes peut-être sorti d'affaire. Mais quand vous dites qu'on n'est jamais allé aussi loin, c'est qu'on n'a jamais atteint l'île de Starling avant aujourd'hui? Non, je dirais surtout que généralement vous aviez quelques propos et puis vous sombriez à nouveau dans une espèce de sommeil profond. Hein, là, je sens bien que la raison s'accroche et je pense que la mémoire reviendra sous peu. Je me rapproche de la fenêtre et je regarde à l'extérieur un peu nerveusement, écoutant un petit peu distraitement le docteur. Tu vois qu'il te regarde au fur et à mesure que tu vas vers la fenêtre. À l'extérieur, il y a ce qui a l'air d'être un terre-plein avec des palmiers. Tu vois qu'il y a une petite averse à l'extérieur. Et au loin, tu vois des collines verdoyantes. Il y a un ciel qui est assez bleu, mais avec des gros nuages noirs. Tu vois que c'est vraiment typique des tropiques. Ça pourrait coïncider avec ce qu'il a dit sur le fait que vous soyez dans une ville comme Port-au-Prince et dans un pays comme Haïti. Je guette, enfin, j'essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose caché sous ces palmiers qui... Une bête, certainement, quelque chose comme ça. Tu regardes et tu peux me faire un petit jet De de sagesse? sagesse, absolument. Oh. Ah, je suis encore un petit peu fatigué, je pense, Écoute, hein. tu t'es totalement à l'affût. T'arrives pas à focaliser ce regard à un endroit. Par contre, tu vois quelque chose. Tu vois un militaire. Tu vois un Marines qui armé, qui a l'air de patrouiller autour de l'hôpital. On est dans un hôpital militaire, professeur, docteur? Absolument, oui. L'hôpital militaire d'Elmwood. Vous êtes en plein cœur de Port-au-Prince. Voyez-vous? Je vais vous expliquer la situation. Je vous ai gardé ici pour essayer de faire progresser votre état. Je vois visiblement que vous allez mieux. Il y a sans doute, c'est ce qu'on dit généralement dans les pertes de mémoire, la possibilité que retrouver vos affaires, retrouver sans doute, vous permettre d'accélérer le processus.
n'est-ce pas, pour retrouver cette mémoire. Parce que si je vous garde ici à l'hôpital et que vous n'avez, vu que personne ne vous connaît, vous n'avez aucun lien avec rien, j'aurais du mal à vous aider à retrouver cette mémoire. Par contre, je sais, a priori, que vous logiez, puisque il y avait mention, n'est-ce pas, de ce lieu. Dans vos vêtements, il y avait une carte de l'hôtel Olofsson. L'hôtel Olofsson, qui est un hôtel ici à Port-au-Prince. Donc j'imagine que vous avez une chambre à l'hôtel Olofsson. Peut-être que si le BRN, le bureau du renseignement naval, donne son accord pour que vous sortiez de l'hôpital, vous pourriez éventuellement aller y chercher vos affaires et essayer de retrouver votre mémoire. Mais pour cela, je ne sais pas si c'est votre désir déjà. Est-ce que vous voulez être gardé un peu plus longtemps en observation? Ou est-ce que vous souhaitez entamer cette démarche? Je regarde Monsieur Sterling. Que ce soit clair, nous sommes suffisamment en bonne santé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais nous allons. Il faut parler à l'ambassadeur, au consul, enfin, un représentant des États-Unis d'Amérique, quelqu'un de civilisé. Et nous allons pouvoir rentrer. Il faut aussi savoir ce que nous faisions ici. Mais peut-être, docteur, est-ce que je peux avoir quelque chose contre le mal de tête? J'ai du mal à Absolument, la tête, j'ai mal à la tête. absolument. Il te fournit, enfin, il te fait fournir par une infirmière l'équivalent d'une aspirine, en te demandant de l'absorber et en te garantissant que très rapidement, ses effets, qui sont plus pour lui de la déshydratation. En fait, il vous explique que physiquement, vous n'avez rien. Vous avez été, on a vérifié, physiquement, vous n'avez aucun souci. Le problème, c'est vraiment votre mémoire, c'est vraiment. Et votre mémoire à court terme, visiblement, puisque vous vous rappelez de qui vous êtes. J'imagine que bientôt, vous pourrez peut-être être venu dans ce pays, puisque. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous rappelez être venu à Haïti? Non, vraisemblablement, nous travaillons pour Monsieur Sterling. Peut-être que. Il est évident que vous travaillez pour moi, bien sûr, vous ne seriez pas là pour rien. Bon, moi je vous propose, on rentre à l'hôtel, peut-être ça nous fera Alors, nous excusez-moi. souvenir. Et puis ici à Jack, il faut trouver Jack. Justement, Qui est ce Jack? je voulais vous demander, docteur, lorsque nous avons été admis ici, nous n'étions que nous quatre. Où il n'y avait pas peut-être une cinquième personne avec nous, mon frère, Jack. Fais-moi un petit jet de sagesse, s'il te plaît. Oui, je te fais ça de suite. Et Jack est mon fils pour répondre à votre question. Je vois qu'on a des opposés ce soir. C'est dans cette soirée, je te dis. Donna, tu poses cette question et avant même que tu aies posé cette question, dès que tu as prononcé deux, trois mots, tu surprends un regard embarrassé du médecin. Du coup, Et il te dit, je prends mon excusez-moi, verre dans le sien. excusez-moi, est-ce que vous pouvez me répéter la question? Excusez-moi, j'ai eu une absence. La question, docteur, était est-ce que nous étions seulement nous quatre lorsque nous vous avons été amenés, ou bien Ah, est-ce qu'il y avait une cinquième personne? non, 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 il n'y avait personne d'autre, non. Non. Il n'y avait que vous. Je Et vous seul. ressurprends son air embarrassé. Est-ce qu'il a l'air de Non, non, me il cacher quelque s'est. chose ou... T'as pas l'impression qu'il est. Vu ton jet, je vais te laisser avoir une analyse fine. T'as pas l'impression qu'il cache quelque chose. T'as plutôt l'impression que tout d'un coup, ta question ou le fait que tu l'interromps ou que tu lui parles, je sais pas, l'a embarrassé. Comme s'il avait été surpris et un peu embarrassé. Mais c'est pas. T'as pas l'impression qu'il cache quelque chose particulièrement. Écoute, D'accord. alors. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais cet hôpital est plus, de manière plus générale, y compris l'ambassade, est sous l'autorité du major Lloyd Medwin. Le major Medwin
est au courant de votre cas. Vous imaginez bien que des Américains que l'on retrouve dans les collines, c'est un cas qui intéresse l'ambassade, surtout vu le contexte actuel. Donc il a suivi votre cas de près et il désirerait vous rencontrer, n'est-ce pas? Pour, je dirais, s'entretenir avec lui avant la sortie de l'hôpital. Il a un bureau ici, hein, il a aussi un bureau à l'ambassade, bien entendu. Est-ce que vous désirez le voir maintenant? Excusez-moi, docteur, je n'ai pas saisi votre nom. Je suis le docteur Kelly. Monsieur le docteur Kelly. Et vous avez dit quatre Américains, c'est ça, découverts dans un bois? Oui, c'est ce... oui, absolument. Oui, on. Pas cinq. Non, non, non. Mais étant donné qu'on n'a pas retrouvé. Pourquoi tu te souviens de quelqu'un d'autre, Guy? Non, j'investigue. Je cherche, je C'est creuse. bien. C'est bien. Il faut toujours, toujours creuser. Mais oui, on peut parler à ce Major Medwin. Mais c'est quoi votre métier exactement, Monsieur Randall et Monsieur Kessler, c'est ça vos noms? Bien, vraisemblablement, de ce que je déduis de ce que vous nous avez dit, et nous sommes vos employés, nous appartenons à une agence de détectives privés. Nous appartenons à la Shows Investigation and Security Service. Je crois que vous n'avez pas réussi votre mission. Donna, Si vous êtes en vie, peut-être. tu vois qu'il fronce les sourcils, le docteur Kelly, Donna, toujours, hein, je te donne les bénéfices de ton jet. Et il vous fait signe. Il dit, veuillez me suivre, je pense que tout sera plus clair lorsque vous parlerez aussi avec le major. Il a sans doute beaucoup de choses à vous dire sur le climat actuel et peut-être que ça vous fera revenir un certain nombre de souvenirs, mais veuillez me suivre. Il commence à Est-ce partir. possible d'avoir une tenue correcte avant, docteur, s'il Bien vous plaît? sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous donne des vêtements simples, mais pratiques, chemise en lin, pantalon, dans un style colonial américain classique. Et plutôt militaire. Très bien. Ok, bah c'est très bien. Je vais me cacher quelque part derrière un paravent pour m'habiller hors de la vue de ces messieurs, Tu vas quand même. pouvoir le faire sans problème. Il y a des paravents à été où tu peux te cacher. Et après, je vais rester pas loin de mon papa. Gentlemen, Nous vous Donna. suivons. Dans cet Alors. hôpital, j'en profite pour vous décrire, il y a d'autres patients, hein, plutôt des hommes, plutôt des jeunes hommes. Et plutôt avec des blessures type blessures de guerre. Vous voyez qu'ils ont des bandages, l'impression que peut-être il y a eu un combat ou quelque chose. Il y a des nurses, vous voyez que certaines nurses sont noires, d'autres ont l'air américaines, blanches. Tout ça a l'air de coïncider avec l'histoire du fait qu'on vous ait raconté être à Haïti. Et il y a surtout un peu partout enfin un peu partout. Il n'y a pas derrière chaque lit non plus, hein, mais vous remarquez notamment dans le couloir de l'entrée plusieurs Marines américains qui ressemblent à ça. Et qui sont en faction à l'entrée, qui ont l'air de veiller à la sécurité de l'hôpital. Le médecin vous fait signe de le suivre et vous amène jusqu'à un bureau qui Pendant est. qu'on fait le trajet, je chuchote à mon père. Père, je n'ai pas de souvenir vraiment de ça, mais est-il possible que Jack soit resté en Amérique pour gérer vos affaires? Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec Jack. Ça ne va pas. Ça va pas. Il y a un problème.
je sais pas quoi, et puis j'ai mal à la tête en plus, ça marche pas cette aspirine. Il faut laisser le temps que ça agisse, monsieur Sterling. Je vous demande pas votre avis. Hein. Mais je vous le donne, monsieur. Ouais. C'est gratuit. C'est ce que je vous dis, et puis ah ben, pour une fois que quelque chose est gratuit. Vous arrivez devant cette porte qui l'ouvre. Il vous fait signe de rentrer à l'intérieur. C'est un petit bureau. Petit bureau où il y a un bureau derrière lequel se trouve cet homme. Le major Lloyd Medwin qui est, vous laisse immédiatement un sentiment de gars un peu coriace. Il vous observe avec des yeux d'aigle. Il a à côté de lui un autre type qui est en costume et qui est face à une machine à écrire. Qui vous dévisage aussi. Et il vous fait signe de vous asseoir. Le médecin rentre avec vous. Et fait lui aussi. On va imaginer qu'il y a quatre chaises. Hein, et ferme la porte. Asseyez-vous. Major. Le docteur Kelly m'explique que votre état a l'air de s'améliorer. Alors, je vais y aller directement. Qu'est-ce que vous faisiez dans les collines au-dessus d'Haïti ? Je ne me souviens personnellement même pas être arrivé à Haïti, Major. Ah oui, oui, c'est ça. C'est l'amnésie, c'est ça ? À court terme, en tout cas. C'est bien pratique. C'est compliqué. Excusez-moi, Major, mais déjà, je pense qu'il est important qu'on parle d'égal à égal. Nous ne sommes pas des criminels, que ça soit clair, et nous sommes des citoyens américains. Alors, tu parles, son assistant tape à la machine tout ce que vous êtes en train de dire. Et au moment où tu prends la parole, James, il s'arrête de taper. Et il tourne la tête vers le major. Et le major ne le regarde pas, continue à vous regarder. Puis il remet la tête vers sa feuille et il attend. Oui, oui, oui. Vous êtes citoyen américain, ça ne fait aucun doute. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autorisé que les soins de cet hôpital vous soient donnés. Néanmoins, vous comprendrez que, vu les circonstances, vous n'êtes pas sans savoir que ce pays connaît des troubles actuellement. Nous y sommes depuis une dizaine d'années. Il y a eu un certain nombre de, on va dire, d'opposants qui se sont mis face à, n'est-ce pas, à la grande nation américaine qui vient ici simplement pour rétablir un peu l'ordre, hein, puisque ce régime était en pleine guerre civile. Et ses opposants, n'est-ce pas, ont tendance actuellement à commettre un certain nombre d'attaques contre nos forces, à tel point que le pays est fermé. Et quand je vois des Américains se balader dans la nature, je me demande forcément pour quelles raisons, hein, iraient-ils faire du tourisme dans les collines d'Haïti, qui est une zone, je dirais pas de guerre, mais en tout cas de conflit. Vous n'avez donc aucun souvenir de ça? Eh bien, non, mais il est possible qu'il y ait trace de ce pourquoi nous sommes là si nous arrivons à joindre notre bureau aux États-Unis. Votre bureau? Oui. Vous parlez de quoi exactement? De mon emploi, je suis détective privé au sein de la Shaw's Investigations and Security Services. Détective privé. Alors, vous êtes ici, on vous a engagé? De ce que nous avons compris, nous déduisons, ou de moins depuis les de dire de Monsieur Sterling, oui. Mais comme je vous dis, je ne me souviens de rien. Peut-être qu'en joignant notre bureau, nous en apprendrons plus. Et puis si les collines sont en lieu de conflit, si balader,
C'est suspect. Est-ce que pour autant, ça fait nous des criminels? Qui a dit que vous étiez des criminels? Bah, quand Monsieur Sterling vous dit est-ce qu'on est des prisonniers, vous répondez pas franchement. Il a un regard vers le médecin. Et le médecin reprend bien sûr que non, vous n'êtes absolument pas prisonnier dans cet hôpital, vous êtes simplement patient. Et le major a bien compris que la méthode la plus certaine pour que vous puissiez justement répondre à ces questions, c'est que votre mémoire, n'est-ce pas, revienne. Et donc, ma recommandation major reste la même. Je pense que ces messieurs devraient, n'est-ce pas, pouvoir rejoindre leur hôtel. À la recherche, n'est-ce pas, de cette mémoire, et sans doute Major viendront-ils vous voir à l'ambassade pour vous donner plus d'informations. Là, il y a le type qui tape tout ça et qui de temps en temps lève un sourcil. Difficile à interpréter pourquoi. C'est juste vous noter ça, ça vous paraît un peu étrange son comportement. C'est un militaire, cette personne? Non, ils sont en costume. Est-ce qu'il arrête de taper quand l'un de nous prend la parole? Pas vraiment. Non, non. Cela me paraît, docteur Kelly, frappé du coin du bon sens. Absolument. Vous savez qui je suis? Je suis de la famille Sterling. Vous savez qui je suis? Absolument. Non. Je suis désolé de ne pas le savoir. Mais... Ça doit être une perte de mémoire inacceptable, docteur Kelly. Vous aussi, Major Medwin, vous savez très bien que ma famille fournit l'armée américaine depuis 5 générations. Peut-être un peu moins. C'est moi qui l'ai vraiment mis en place. Bon, ceci dit, on va rentrer à l'hôtel, moi et mes hommes, et ma fille, on va rentrer à l'hôtel. Si, docteur Kelly, il s'avère que nous avons reçu des drogues ici dans cet hôpital qui nous fait perdre la mémoire, vous en serez tenu responsable, docteur Kelly. Parce que c'est pas normal ce qui nous arrive. C'est pas normal. On n'est pas blessé, on perd la mémoire, tous en même temps, et on est en hôpital. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Donc on va rentrer. Je cherche. Maintenant, soyez sûr que je cherche juste à vous soigner. Non, mais docteur Kelly, je vous entends. Et d'ailleurs, maintenant, on va partir. Major, docteur, vous nous laissez sortir maintenant. C'est un ordre. Je vais faire mieux que ça. Je vais. Puisque je ne pense pas que vous ayez le moindre dollar sur vous, je vais faire en sorte que vous puissiez prendre un taxi jusqu'à votre hôtel. Je vous remets ma carte. Le bureau du renseignement naval se trouve à l'ambassade. Si jamais le moindre souvenir vous revient, n'hésitez pas à venir m'expliquer ce qui pourrait vous revenir sur les faits de ces derniers jours. En attendant, je vais vous demander donc de ne pas quitter Haïti tant que cette enquête ne sera pas totalement aboutie. Mais une enquête pour quoi? Je ne comprends pas. Une enquête pour comprendre ce qui vous est arrivé et comment vous avez... Pourquoi et comment vous vous êtes retrouvé dans ces collines? Une enquête du gouvernement américain que je représente à Haïti. Dites-moi le bureau du renseignement naval. Alors, tu sais ce que c'est que le bureau du renseignement naval? Le bureau du renseignement naval, c'est l'équivalent des services secrets américains avant les services secrets américains. Qui en fait progressivement depuis les années 1870 en fait à chaque fois qu'il y a une zone de conflit dans le monde, il y a un bureau du renseignement naval qui est là pour prendre des informations de type militaire mais qui en même temps fait du renseignement. Donc c'est un peu les services secrets américains de l'époque, le BRN. Donc ça, toi particulièrement, tu sais ce que c'est. Oui, je vois ce que c'est. Ouais. Tu vois ce que c'est. Est-ce normal que... Enfin, bien, nous nous tiendrons à carreau, Major.
Il hoche la tête. Le docteur ouvre la porte et sort. Et vous fait signe de le suivre. Vers l'entrée de cet hôpital. Ben, j'essaye de sortir en dernier, en fait. Je pense que D'accord. je veux regarder le major avant de partir. Pourquoi vous ne nous dites pas tout, major? Je ne vois pas ce que... C'est vous qui ne me dites pas tout. Au contraire, je pense que nous nous sommes exprimés compte tenu de notre état. Maintenant, le fait que vous vous intéressiez autant à nous, alors que nous avons perdu la mémoire, me semble, et surtout une personne de votre importance, et particulière en ces lieux, me semble étrange. Chaque fois qu'un ressortissant américain est mêlé à une affaire, comment dire, qui pourrait... Il faut que vous compreniez que aujourd'hui, les intérêts des gens qui se révoltent contre notre gouvernement peuvent se confondre avec celles de certaines personnes de notre enfin, de notre grande nation. Je sais que je ne suis pas très clair, mais comment dire? Disons que les suspicions du BRN ne sont pas que sur les autochtones, mais aussi sur certains de nos compatriotes. Et le fait de vous avoir retrouvé dans ces collines m'oblige à vérifier un certain nombre de détails. Tout ce que je vous demande, c'est de faire l'effort de retrouver cette mémoire qui vous fait défaut, sans doute sur les bonnes indications du docteur Kelly. J'espère, je souhaite et je vous conseille de venir me faire part de ces souvenirs s'ils revenaient. Et dans tous les cas, d'éviter de prendre un bateau pour quitter le pays sans être passé par mon bureau. Une dernière question qui pourrait peut-être nous aider à expliquer notre présence ici. Y a-t-il eu une disparition d'enfants notables? D'enfants? Oui. Vous voulez dire d'enfants américains? Je vous pose la question, oui, peut-être notables qui auraient attiré votre attention. Parce que c'est l'une de mes spécialités, c'est retrouver les enfants disparus. Pas eu de signalement pour des disparitions. Peut-être si. Il y a quelque temps, effectivement, on a certains ressortissants qui ont été, qui n'ont pas disparu. Ils ont potentiellement été abattus, je pense, justement suite au conflit qui sévit actuellement. Ce qui explique aussi la tension de la situation entre notre pays et les rebelles. Les Cacos, vous avez déjà entendu parler des Cacos? C'est Ça ne me dit rien. le nom des rebelles. Ça ne vous dit rien, vraiment rien. Non. Là, il a vraiment l'air de se scruter. Mais je relis. Non, non, ça me dit. Je mens pas, en fait. Ça me dit rien. Bien. Le fait que j'ai été engagé, j'ai quelques notions de français. Enfin, voilà, je vous ai tout dit, Major. Vous savez où est mon bureau? Il te tend la main. Bien. Je le salue, franchement. Très bien. Est-ce que tu rejoins tes autres Oui, camarades? je les rejoins. Je vous laisse vous rendre dans l'entrée. On vous a remis 10 dollars. Vous savez que, parce que vous vous rappelez de ça, que à Haïti, normalement c'est pas le dollar, la monnaie, mais que les trois quarts des gens acceptent les dollars et que avec quelques dollars on peut vivre, enfin on peut manger une journée entière, quoi. Donc un taxi ça doit être 1 dollar maximum. Et on vous laisse sortir de cet hôpital. Hop, l'orage a cessé, comme vous entendez. Absolument. Par contre. Le taxi est une vieille bagnole de type américaine. Alors, vous voyez tous la carte? Oui. Ouais. L'hôpital militaire Elmwood est ici. D'accord.
L'hôtel Olofsson est ici. L'ensemble de cette carte, c'est la ville de Port-au-Prince. Sachant que je vous donne quelques notions parce qu'en fait, vous vous rappelez de tout ça. Hein. Port-au-Prince, c'est à peu près entre 2 et 3 millions d'habitants. Et il y a 95% qui sont des descendants d'esclaves africains qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest et du Congo. À peu près 5% qui sont des mulâtres, donc mélangés entre les Européens et les locaux. Et puis ensuite, tu as des Européens ou des Occidentaux qui sont à peu près 2000. Bon, comme vous l'imaginez, la plupart des institutions, des richesses, enfin des institutions sont aux mains sont des, 2000. Voilà, sont aux 2000, qui ont eux-mêmes engagé principalement des mulâtres pour les servir et gérer les affaires. Et le restant de la population, majoritairement, ce sont des fermiers. Fermiers qui vivent de différentes cultures, principalement dans les collines autour de Port-au-Prince. Voilà, Port-au-Prince, c'est une ville dans laquelle je vais vous montrer quelques images. Alors, vous pouvez dézoomer la carte si vous voulez. Dans laquelle, voilà, c'est ce genre d'ambiance. Hein, donc, c'est des bâtiments coloniaux. Les artères, etc., ont été refaites par les différents pays qui ont envahi. Qui ont envahi ce beau pays et ont laissé toute une architecture coloniale. Il y a des canalisations, il y a quelques voitures, comme vous le voyez. Ce que je vous ai montré là, c'est l'hôtel Olofsson, où vous allez arriver bientôt. Et en fait, même si ça paraît un petit peu, je dirais, civilisé par rapport à vos critères d'Américain, la plupart quand même des canalisations sont brisées, vous sentez que c'est absolument pas entretenu et très rapidement lorsqu'on a passé 3-4 artères vous tombez dans des zones où il y a vraiment des bâtiments beaucoup plus sommaires, beaucoup de pauvreté. Là vous traversez en fait vraiment le centre de Port-au-Prince, donc c'est c'est vraiment le quartier, on va dire le niveau architecture qui est le plus cohérent. Après, très rapidement, vous êtes quasiment dans des bidonvilles, notamment parce que vous êtes à Paco, qui est cette grande zone qui est ici là. Vous voyez même que ça s'espace parce que les collines arrivent assez rapidement et que la végétation rentre quasiment dans la ville. Il fait chaud, il fait moite. Dès que vous sortez de cet hôpital, vous êtes trempé immédiatement par l'humidité de ce pays. Et vous arrivez à l'hôtel Olofsson. Okay. On vous lâche à l'hôtel Olofsson. L'hôtel Olofsson, c'est un très très beau bâtiment colonial. L'entrée est ici. Je pingais. Et ça a l'air quand même d'être un hôtel assez chic. C'est d'ailleurs le bâtiment le plus chic que vous ayez vu en taxi en traversant. Dirigé vers l'entrée comme je le vois, et Donna, James, Dirk et Guy, vous vous retrouvez dans cette entrée où il y a un desk, et face à vous, il y a ce jeune homme qui va rapidement vous dire qu'il s'appelle Nathaniel, et qui vous regarde. Je vous dis juste, voilà, il est derrière son comptoir, et il lève la tête, il fait « Ah, vous êtes revenu ?» Oui. Oui. On est revenu. Mes clés, s'il vous plaît. Vous avez l'air surpris. Ah ben, bien sûr, monsieur. J'ai été. Enfin, ça fait 2 jours que vous aviez disparu. 3 jours même. Je crois que vous n'êtes pas revenu à votre chambre. J'ai eu peur pour vous. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Eh bien, nous étions hospitalisés, Nathaniel. Mais nous allons mieux maintenant. Hospitalisé, vous avez eu un souci ou vous avez été agressé? Vous savez, les rues ne sont pas sûres.
une petite mésaventure sans véritable importance. Ils ont préféré nous garder 2 jours à l'hôpital en observation afin de... Nous allons bien. Avez-vous des messages pour nous, Nathaniel ? Non, je n'ai absolument pas de message, mais... je suis très heureux de voir que tout va bien. J'étais vraiment très très inquiet. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Peut-être vous voulez récupérer. Avant de partir, vous m'aviez remis un coffre. Vous m'avez remis un coffre. Enfin, vous m'avez remis des affaires pour que je puisse les mettre dans le coffre de l'hôtel. Oui, nous aimerions les récupérer si c'est possible, effectivement. S'il vous plaît, Nathaniel. Bien. Veuillez m'excuser quelques instants. Il va dans la petite dépendance qui est juste à côté. Je regarde Monsieur Sterling et Mademoiselle Sterling avec un air d'incompréhension, genre je me souviens de rien. Je te rends ton regard comme incompréhension. Moi non plus, je me souviens pas, mais ça doit certainement être mes affaires. Certainement les vôtres, oui, Monsieur Sterling. Je fais le tour du desk pour aller voir le registre. Oui. Il y a effectivement un registre. Je commence à regarder les pages, voir si je vois nos noms, si je vois des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, tu vois assez rapidement que le registre est donc hiérarchisé par date. Tu remontes un peu, j'imagine, dans les dates pour essayer de recoller plus avec des dates antérieures. Oui, c'est ça. Écoute, tu vois... Le 27 et le 28, non, le 27, pardon, novembre, octobre, tu vois que le 27 octobre apparaissent les noms Dirk Kessler, Donna Sterling, James Sterling et Guy Randall comme étant dans la liste des clients présents à l'hôtel. J'essaye si possible de le couvrir, de regarder, mais je vois qu'il y a une porte, peut-être voir par la fenêtre, tu vois, pour essayer de guetter Nathaniel, pour pas qu'il embête... Ouais, bah enfin, fais-moi un petit jet de... Tu vas me faire un petit jet de dextérité, Guy, pour voir la discrétion de ce move. Sachant qu'il est de dos en train de fouiller dans un coffre, là, pour l'instant, Nathaniel. J'essaie de le prévenir si jamais dès le moment qu'il va se retourner en fait. Tu veux dire que ça me donne l'avantage? Oui, tu peux considérer que ça te donne l'avantage, absolument. Ok. Très bien. Tu fais ça avec la rapidité d'un chat. Et à un moment, Dirk, tu te dis qu'il serait temps de repasser de l'autre côté du comptoir parce qu'il est en train de refermer la porte. Du coffre fort. Je fais signe à Guy et je tout bas bien joué petit, bien joué. Nathaniel revient avec dans les mains une caisse en métal assez longue et assez volumineuse qu'il te tend Dirk et il dit Monsieur Kessler, c'est vous qui m'avez remis Merci. Ces objets. Je fais un grand sourire à Monsieur Sterling. Je vous donne aussi. Il se retourne et il met une clé sur le comptoir. Je vous donne aussi la clé de votre chambre. Vous vous rappelez peut-être pas, c'est la chambre 3. Ah oui, la 3, oui, bien sûr. Pourquoi dites-vous que nous ne nous rappelons peut-être pas avec 3 jours? Ça me semble suspect en fait, le fait qu'ils disent qu'on se rappelle peut-être pas, tu vois, c'est... C'était juste une formule de politesse. Mm-hmm. Fais-moi un petit jet de... sagesse. Ouais. C'est une personne très sage, hein, que je vois. Tu es très troublé. Parce que... tu ressens exactement la même impression que tu avais ressenti un peu plus tôt avec le médecin. Comme s'il y avait une gêne. Ouais. Mais pas comme s'il était en train de te mentir ou de couvrir un truc, mais comme s'il y avait une gêne. Je garde ça pour moi. Par rapport à lui, au médecin, je garde ça pour moi pour l'instant. D'accord. Je compte en parler aux autres, mais plus tard.
Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne à votre chambre, monsieur Kessler? Non, c'est très gentil, ça ira. Mais très certainement que madame avait sa chambre. Il a l'air d'hésiter. La chambre. Ah oui, la chambre de. Madame Sterling. Ah oui, madame Sterling, excusez-moi. Et monsieur Sterling. Il se retourne et il remet deux clés sur le comptoir. Deux autres clés. Je vais récupérer les deux directement pour pas faire genre je prends une et c'est pas la mienne, tu vois. Tu vois qu'il y a écrit dessus 1 et 2. Je prends la une, ça me paraît logique. Ok, et monsieur Randall, s'il vous plaît, sa chambre? Ah, non, il n'y avait qu'une seule chambre. D'accord. Monsieur Kessler, n'oubliez pas que c'est Père qui paye. Tout à fait. Monsieur Sterling a... Monsieur Sterling a réglé trois chambres. Une pour sa fille, une pour lui-même et une pour une vous pour et votre camarade. D'accord. C'est pour si vous allez être à quatre. Vous souhaitez que je vous indique les chambres ou vous les trouverez par vous-même peut-être? Eh bien, votre compagnie n'est jamais désagréable, Nathaniel, voyons. Très bien. Alors, il part dans cette direction. Je le suis. Alors, dites-moi à toi de le suivre. Et à vous de le suivre, si vous le désirez. Vous voyez que cet hôtel est un peu rustique par rapport aux critères... alors, pas de tout le monde, mais de toi, en tout cas, James. Mais quand même de bonne tenue. Pour vous, Dirk et Guy, ça vous paraît quand même un hôtel de luxe, quoi. Ouais, c'est classe. Il remonte le couloir jusqu'à 7 chambres et te fait signe que tu peux ouvrir la serrure. Ah. Et tu vois Merci qu'effectivement, beaucoup, il y a une chambre avec 2 lits. Merci. Et monsieur a besoin de quoi que ce soit, il repart en sens inverse. Nathaniel, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Oui. Tu rentres... Excusez-moi. Que faites-vous là, Donna? Ah oui, Donna ici, là. Hop. D'une autre... Non, moi, je suis dans le couloir. D'une autre vie. Une Donna d'une autre vie. Ouais. Là, il vous amène ici, vous voyez que la chambre... James, tu as la clé de quelle chambre, déjà? La 1, la 1. Elle est ici. Et la 2 est ici. Est-ce que c'est bien ma chambre? Je m'en rappelle. Ah, c'est ça, ma chambre? Ouais. Alors, je vais... Je vais... Est-ce qu'on se rappelle de ces chambres-là ou pas, du coup? Alors, je vais vous répondre à toutes ces questions les unes après les autres en commençant par la chambre de Dirk et Guy. Dirk et Guy, lorsque vous rentrez dans cette chambre, immédiatement vous vous dites « Ok, cette chambre, je la connais, c'est ma chambre. » Ok. Il y a dans cette chambre un sac militaire qui est posé contre un mur. Un gros sac militaire. Vous avez toujours, t'as toujours la boîte en fer. La boîte hein, que je pose sur le bureau en face, là, sur le meuble. Donc voilà. Ensuite, je vous laisserai me dire ce que vous faites après. Oui, je vais juste décrire les chambres pour chacun. James, tu me fais un jet pour le coup de torche. James, tu as très bien réussi ce jet de torche et je peux te dire que tu te rends compte immédiatement que c'est bien ta chambre aussi. Tu te rappelles des espaces, du mobilier de cette chambre. Par contre, tu te rends compte aussi qu'il manque quelque chose parce qu'en fait, il n'y a rien dans cette chambre. Le lit a été refait, il n'y a plus aucune affaire. Et tout d'un coup, tu te souviens que tu avais une serviette dans laquelle il y avait plein de documents personnels, confidentiels, à toi, d'accord? Et que ces documents et cette serviette ne sont plus dans la chambre. Par contre,
Très bien. Par contre, et grâce à ce magnifique jet de torche, tu as aussi le sentiment, peut-être, que tout est un peu trop propre dans cette chambre. Comme si on avait vraiment totalement fait le ménage. Donna, tu me fais un jet de torche aussi ? Oui, 18. Ouh, là, la famille Sterling, c'est... Ouais, exactement le même ressenti que je viens de décrire pour ton père, même si tu n'es pas au courant encore, mais tu es sûr que cette chambre était la tienne. Tu reconnais la lumière, tu reconnais plein d'autres détails, mais il n'y a pas tes affaires, il n'y a rien dans cette chambre. Et t'es pas encore allé dans la salle de bain, mais pour ce qui est de la pièce principale, c'est pareil, t'as le sentiment que tout est très propre, comme si tout avait été cleané. Je retourne dans la chambre avec Dirk et Guy. Qu'est-ce que vous faites ? Bien, si Guy ne se jette pas sur le... Moi, je regarde le sac d'armée, je regarde Guy, jette un petit coup d'œil, j'essaye d'ouvrir la boîte. Exactement. D'accord. Guy, donc toi, tu jettes un coup d'œil à quoi ? Au sac ? Je mets au sac pendant qu'il observe le coffre et ce que Nathanael nous a remis. D'accord. Regarde le sac militaire. Très bien. Alors, fais-moi un petit jet de torche, s'il te plaît, Guy. Décidément. Quand tu te penches pour ouvrir le sac, tu remarques quelque chose de suspect sous le lit. Quelque chose comme une forme de quelque chose qui aurait été accroché sous le lit. Ah, bah je me penche sans m'approcher pour l'instant, juste pour essayer de repérer ce que ça peut être. Imaginons peut-être une arme qu'on avait cachée sous le lit ou... Bah écoute, tu trouves exactement ce que tu viens de décrire. Tu trouves un fusil de calibre 12 démonté et qui a été fixé sous une latte du lit. Dans le sac, il y a des affaires personnelles que tu reconnais comme étant les tiennes et celles, enfin, en tout cas, Dirk les reconnaîtra s'il jette un coup dans ce sac. Oh, je vais regarder, oui. Celles de Dirk et les tiennes. Il y a aussi des boîtes de munitions que tu vois rapidement comme étant des munitions pour un fusil de calibre 12 que tu viens de repérer sous le lit, mais aussi des munitions pour des colts. Tu penses qu'il y a du 38 et du 45. Et enfin, ce très très beau jet de torche te permet de repérer une boîte d'allumettes posée sur la commode à côté de laquelle était le sac en toile. Je la récupère en regardant, si c'est une petite boîte de 10, en regardant ce que l'indication du bar, de l'hôtel qu'il a remise. C'est un speakeasy new-yorkais qui s'appelle le Sugar Cane, avec écrit 5e avenue 135e rue Ouest. Et lorsque tu la déplaces, tu ne sens pas le mouvement des allumettes à l'intérieur. Ok. Joue efficace, Guy. Bien joué. Et moi, j'essaye d'ouvrir cette boîte, donc... Bah, t'as la clé, il t'a fourni la clé. Ah bon ? Bah, j'ouvre. Tu ouvres la boîte. Dans la boîte, il y a 3 revolvers 45 et un Colt 38 spécial. Il y a une liasse de $300. Et il y a un ensemble de documents que je vais vous remettre. Je propose de les remettre à la vue de tout le monde. Oui, oui, oui. Et vous gérez ensuite qui sait quoi, qui dit quoi, etc. D'accord ? D'accord. Et je propose aussi qu'il y ait l'un d'entre vous qui les lise, comme ça sera plus simple. Eh bien, nous avons une liste donc, de noms. Donc, tout d'abord, Marie Jérôme, tireuse de cartes,
87 rue Macajou, Bel Air. Ensuite, nous avons le nom du docteur Bruce Northeast, un anthropologue, 50 rue Paco. SSA, donc trois lettres, Bibliothèque Nationale. Culte de l'horreur flottante, étant céleste, égale vaudou, point d'interrogation. Cette liste est écrite avec, par une écriture manuscrite que tu reconnais immédiatement comme étant la tienne. D'accord, je... je suis surpris du coup, parce que ça, j'en ai pas souvenir. Autre document. Shows Investigation and Security Services. Simmons Building 212E, 212 Est, 38e Avenue, rue, New York City. Mercredi 15 octobre 1930. Monsieur James Sterling, Sterling Industries, Sun Serai Tower, 81 William Street, New York City. Cher Monsieur Sterling, merci de faire confiance aux enquêtes Shaw. Les deux détectives que je vais assigner à votre affaire sont Dirk Kessler, un ancien de la marine marchande ayant l'expérience des îles des Caraïbes, et Guy Randall, un ancien officier du département de police de la ville de New York. Tous deux ont connu des succès considérables dans la recherche de personnes disparues, et nous sommes confiants qu'ils sauront vous aider à retrouver votre fils Jack Sterling à Haïti. Nos tarifs sont de $80 par jour pour chacun de nos détectives, plus les frais. Ils ont tous deux des billets sur le paquebot de la Cunard, le Goodfellow de la Cunard. Je sais pas ce que c'est. La Cunard, c'est une société maritime de bateaux transatlantiques et autres. D'accord. Le Goodfellow, en accord avec votre itinéraire, et quitteront New York le samedi 18 pour arriver à Port-au-Prince le 23. Très respectueusement, Roger Shaw. Il y a également, mon cher Dirk, une autre lettre. Bien. Shaw's Investigation and Security Service, bon. Ouais. Simmons Building, nanana. Non divulgué aux clients, par contre. Rapport sur les industries Sterling, non divulgué aux clients, réuni par Harrison Zamsky, détective privé. Vendredi 5 juillet 1929. Sterling Industries est une firme installée à New York et contrôlée par la famille Sterling. Le président directeur général et le propriétaire qui en est James Sterling, un riche industriel descendant sur 6 générations d'une vieille fortune du Rhode Island. Ses affaires regroupent divers investissements dans les transports, la manufacture, les caoutchoucs et le pétrole. Durant la Grande Guerre, Sterling a acheté une usine de munitions à Mott Haven, dans le West Bronx, et a fait de gros bénéfices en vendant des armes aux forces alliées en Europe. Après la guerre, les munitions sont devenues le cœur de leur entreprise commerciale. Ils ont vendu des armes à travers le monde, essentiellement en Europe et en Amérique centrale, notamment au Mexique, en Italie, en Irlande et au Nicaragua. Le fils de James, Jack, après avoir récemment obtenu un diplôme universitaire à la Columbia University, a rejoint la firme. En dehors de son fils, le seul employé de James Sterling, en qui James Sterling se fasse confiance, est son garde du corps, Sean O'Neill. Il ne quitte jamais les côtés de son patron dans tous ses voyages à travers le monde. Plusieurs cadres supérieurs ont expérimenté leur mécontentement quant aux méthodes de Sterling et l'un d'eux a même mis en cause leur légalité. Mais non. Le grand public ne sait pas que les industries Sterling ont été la cible de plusieurs enquêtes du Bureau des renseignements navals. Tiens, vous m'en direz tant. Pour une supposée collaboration avec les forces armées contraires aux intérêts du gouvernement des États-Unis. Aucune charge n'a été retenue contre Sterling et il ne fit l'objet d'aucune poursuite judiciaire, sans doute par manque de preuves. On a aussi dit que New World Incorporated, la corporation basée à Chicago, avait été prêt de racheter les industries Sterling au début des années 1928, afin d'éliminer la compétition dans le domaine de la vente d'armes mondiales. Enfin, les industries Sterling ont fourni en armes le gouvernement des États-Unis pour leurs soldats en Haïti. Tiens. Mais les rumeurs courent que Sterling aurait aussi ouvert les négociations secrètes pour vendre des armes aux rebelles haïtiens.
on pense que le trafiquant d'armes haïtien Sébastien Sénégal serait associé à cette affaire. Ces faits pourraient constituer un acte de trahison s'ils étaient jugés par les États-Unis d'Amérique. Bien, je vais vous laisser réfléchir à tout ça et je vais retourner avec James. James, tu as cette étrange sensation dans ta chambre. Ouais, alors c'est bien trop propre, on a fouillé ma chambre et on a volé mon attaché case. Tu m'as fait un magnifique jet de torche tout à l'heure. Ce jet de torche va te permettre d'avoir un flash et de te rappeler qu'il y a certains de tes documents qui étaient dans ta serviette et certains de tes documents, notamment un que tu avais mis dans un des tiroirs de cette commode où normalement tu aurais dû mettre tes vêtements, mais tu l'avais planqué sous tes vêtements dans ce tiroir. Ok, bah, je vais essayer de fouiller pour voir si je retrouve au moins ce papier. Ça me dira deux choses: si ça a été nettoyé proprement par un spécialiste, il y sera plus, ou alors on m'a juste volé mon attaché case. Tu ouvres ce tiroir. Ouais. Et il y a un bout de papier à l'intérieur, effectivement, qui est resté là. Je vais le prendre. Est-ce que c'est quoi? C'est un manifeste. C'est un manifeste que je te montre tout de suite. Ok. Donc c'est une liste de d'achats. Alors très vite, qui ont été transportés, des machines agricoles qui ont été transportées de du bronze. Alors ça a été donc du bronze de New York à Port-au-Prince, et c'est arrivé au Port-au-Prince le 6 octobre 1930, donc il y a maintenant plus d'une vingtaine de jours hein, quand même, et il y en a pour 2 tonnes quand même. Il y a le nom de celui qui doit le recevoir, normalement Francis Métro. Par contre, voilà, c'est une machine agricole de 2 tonnes. On ne sait pas bien plus que ça. Il y a les numéros du manifeste, mais en tout cas, on a le nom du consigné. Je crois que c'est bien celui qui doit le recevoir et contre-signé à son arrivée. D'accord. C'est bizarre parce que je suis pas spécialiste en machines agricoles. Hein. Peut-être en dérivé des engrais. Par contre, tu connais très bien ce genre de bon et tu notes non seulement qu'il y a un nom, mais qu'il y a aussi une entreprise qui se situe dans la case 2, qui est le lieu de livraison à Port-au-Prince. Ouais. Là-bas dit import-export. Donna, je vais aller un peu avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? J'ai un petit peu regardé déjà du coup la chambre en elle-même. Je comptais aller dans la salle de bain. Alors je te laisse y aller. Hop. Je suis en logé. Ouais, super. Cette salle de bain, elle est nickel. Elle a été nettoyée. Tu sens que le ménage a été fait. Et tu vas me faire un petit jet, non pas de torche, mais de sagesse, s'il te plaît. Alors, Donna, tu as la possibilité... Ah ! Non, mais tu as la possibilité, parce que la sagesse est ta caractéristique principale, de faire des jets avantagés à chaque fois que tu l'utilises. Ah, ok. Donc refais-moi un deuxième jet et on prendra le meilleur. C'est pas mieux. C'était meilleur. Alors, tu... observe vraiment totalement cette pièce. Tu ne vois absolument rien d'étrange dans cette pièce. Et au moment où tu sors, t'as une sensation un peu étrange, comme si il y avait un détail. Il y a quelque chose qui est collé sur le miroir du lavabo, vraiment en face de la porte, en face de toi.
Ouais, je l'avais pas vu en rentrant en fait. J'étais trop focalisée sur autre chose et j'avais pas fait attention. Tu sais pas si c'est ça ou si c'était pas là en entrant. Et la plus logique, c'est que tu l'aies pas vu en entrant, effectivement. Et c'est une carte de tarot. D'accord. Je la prends, j'observe. Ah bah c'est joyeux.